Bonjour, chère populace movie star planétienne. Je suis Quinzal. Bonjour. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo où j'ouvre les cadeaux de gift. Et du coup, il fait super chaud. C'est pour ça que je suis complètement tarée. On va dire le soleil, la chaleur m'a irradié le cerveau. J'en peux plus, je suis au bout de ma vie. Dites-moi en commentaire si vous aussi. Ah, il fait méga chaud et encore, je suis même pas encore rentrée dans les jours de canicule. Hein. Je crois que je mettrai la vidéo le jour même où je l'aurai tournée. Donc, chez nous, on est mardi, ouais. On est mardi, voilà. Et merci Laetitia pour la salutation, merci beaucoup. On va mettre l'anti-bug quand même. Et non, chez nous, on est mardi. Et mercredi, jeudi, ils annoncent plus de 40 degrés vers chez moi. Donc, au bout de ma vie. Et je crois quand ils disent 40 degrés, c'est genre limite à l'ombre. Je sais pas, faut que je vérifie. Donc, je suis vraiment au bout de ma vie. Mais du coup, aujourd'hui, on ouvre des cadeaux. Et aujourd'hui, j'ai juste décidé tout simplement d'ouvrir les derniers cadeaux. Enfin, les derniers que j'ai reçus. Pas les derniers de la liste, du coup, les derniers que j'ai reçus, du coup, qui sont en premier dans la liste. Bref, je pense que. Voilà. Du coup, ça va faire quand même, je pense, pas mal de cadeaux à ouvrir. Et du coup, ce que je pensais faire, c'est essayer de mettre les cadeaux sur moi. Uniquement si je trouve que ça va bien sur mon look. Voilà. Ou quand c'est vraiment quelque chose de, que j'aime beaucoup. Oh, sympathique. Ça, c'est en plus, ça, c'est les cheveux d'un pack. Le pack Bunny. Et pourquoi pas aussi renvoyer des petits cadeaux aussi. Quand je reçois des cadeaux genre de pack, etc. Pourquoi pas en renvoyer. Bon, c'est peut-être pas une bonne idée de renvoyer les cadeaux en vidéo. Parce que, on va dire, comme vous le voyez, moi, mes cadeaux, quand j'essaye d'en envoyer, ça charge longtemps. Donc, en dehors des lives, ça me dérange pas. Enfin en dehors des lives des vidéos, en live ça me dérange pas non plus parce que je parle tellement que je vois pas le temps passer quand ça charge. Mais ouais, peut-être en vidéo, je pense qu'on va, éviter finalement vu que ça ne veut pas charger, ça met 30 ans, merci beaucoup, Movie Star Planet. Mais ce sera possible, oh ça c'est sympa, ça c'est sympathique. En plus elle a fait, elle me les a envoyés aux couleurs de mes cheveux. Bon, on va dire que maintenant, ça c'est plus avant. Avant j'avais les cheveux comme ça parce qu'avant c'était genre... comme ça, c'était... Ah, je peux pas encore envoyer. Mais c'était genre comme ça, quand je refaisais pas ma couleur. Voilà, voilà un blond platine comme ça, bleu. Maintenant, j'ai fait toute ma tête en bleu. ça peut aller avec le look. Ça peut aller avec le look, mais ça, j'aime bien. Oh, j'aime beaucoup. Ça, on va peut-être pas le mettre. Ça fait bizarre les couettes qui sortent de la casquette quand même, non? Mais en tout cas, merci à toutes les personnes qui m'envoient des cadeaux. Et je suis vraiment désolée, mais vous m'envoyez tellement de cadeaux qu'il y en a plein que je n'arrive pas à ouvrir. Donc j'en suis navrée, je suis désolée d'avance. Donc vraiment désolée si vous m'envoyez un cadeau que j'arrive pas à l'ouvrir. C'est pas voulu, hein. C'est pas voulu. C'est difficile déjà que j'essaye d'ouvrir les cadeaux des personnes qui me disent qu'ils m'envoient des drips ou des packs. Enfin des objets, des vêtements de Pâques parce que du coup je veux pas que les vêtements se perdent parce que des fois y a des personnes qui sacrifient beaucoup de leurs Star Coins. D'ailleurs ne sacrifiez pas vos Star Coins si vous n'avez pas les moyens d'offrir les drips, gardez-les pour vous vraiment. Mais en gros il y a des personnes qui sacrifient quand même beaucoup d'argent de Star Coins pour m'envoyer des cadeaux de valeur Star Coins très chers. Et du coup, ça me fait chier pour eux si j'ouvre pas le cadeau. Du coup, j'essaye en priorité d'ouvrir les cadeaux là, en live, quand vous me le dites. Est-ce que ce serait les ailes? Si, il me semble que c'est les ailes du pack du mois dernier. Ceux-là. Il me semble que c'est ça. Hein. Il me semble. En tout cas, merci beaucoup à toi. Wesh. Wesh. Et du coup, je sais plus ce que je disais, voilà. Mais ouais, en gros, j'essaye. Oh! 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 Il s'est emballé, hein, Zayan. En tout cas, il s'est emballé. Il m'envoie une casquette drip. Les ailes du pack du mois dernier. En plus, j'avais beaucoup aimé. Sinon, j'aime beaucoup. C'était aussi les cheveux du pack là. Les cheveux qu'il y avait dans le pack sont vachement originaux, je trouve. Bah, je sais pas, je crois, les cheveux par contre. Donc, je pourrais même pas vous les montrer. Mais je pense peut-être que vous vous rappelez encore. C'était il y a pas si longtemps que ça, finalement. Allez, on va mettre la petite jupe en jean, ça passe pour le look. Non, ça, franchement, là, le look, je trouve qu'il passe. Ça va pas aller, est-ce qu'avec la casquette, ça va pas? Si je mets un chignon, ça va faire genre trop chelou.
Et là, pareil, hein, pour tout ce qui est Utip, j'essaye... bon, après, je vous avouerai, hein, au début, j'envoyais des cadeaux tous les jours sur Utip. Mais arrivé à un moment donné, j'arrivais plus à suivre, je passais 2-3 heures par jour sur Utip. Et du coup, je pense que c'était pas bon non plus. Mais du coup, j'essaye aussi de vous envoyer régulièrement des cadeaux sur Utip, quand je vois vos messages, etc. Par contre, pareil, vous êtes nombreux à me soutenir sur Utip également. Donc merci d'ailleurs à toutes les personnes qui le font. Et du coup, je pense que je vais pouvoir encore plus vous envoyer de cadeaux pendant... Enfin, quand il y aura l'application sur le PC. Je sais que vous me l'aviez déjà dit. Donc pour ceux qui vont venir dans les commentaires pour me le dire, oui, je sais, le serveur français maintenant, il y est sur l'application MSP sur PC, pardon. Mais j'attends qu'elle, entre guillemets, sorte officiellement. Oh, j'aime bien ça, ça le fait le look comme ça. J'attends que ça sorte officiellement parce que j'ai peur de me connecter avec mon compte 15 à YouTube sur sur comment dire sur et tu m'as quoi tu... Miss Lol, mais on est déjà amis, non, Miss Lol? Comment ça on n'est pas amis, Miss Lol, wesh? Comment ça tu m'as quitté tu m'as quitté de tes amis? Ok, très le français. Tu m'as enlevé de tes amis ou quoi? Comment ça se fait que t'es plus dans mes potes, toi? je te donnais un drip cap. Mais ça, c'est les chaussures de ce pack-là. Un Mistol. J'ai juste un pseudo qui reste... Je ne suis pas ta modo. Ah! Ah, j'ai bugué là totalement. J'ai pas compris. Mais elle dit je ne suis... En gros, c'est pas Miss Lol de mon chat de live alors. C'est pas Miss Lol, Miss Lol, c'est juste une autre Miss Lol. Parce qu'il me semble bien que Miss Lol, normalement, je l'ai dans mes amis, Miss Lol. Ah, parce que c'est le 0 à la place du O, je pense. C'est ça qui change. Là, j'étais en train de me dire what. J'ai pas compris. Là, j'étais dans mode... Miss Lol, drip, accept me. Ouais, mais ça, c'est pas un vrai drip. Mais il est sympa, il va bien aller avec le look. Mais en gros, ouais. Ok, je me suis fait berner, d'accord. C'est vrai que Miss Lol, normalement, je l'ai dans les amis. Oh, ça c'est le pack que j'ai beaucoup aimé. Ça, je crois que c'est un pack de 2017. Été 2017 ou été 2018. Mais il me semble que c'était 2017. Et en fait, dans ce pack-là, il y a mes cheveux favoris. Mes cheveux favoris, ils étaient dans ce pack-là. Donc, je les ai, vous inquiétez pas. Ces cheveux-là, en fait, c'est des cheveux qui sont... Enfin, je dirais pas courts, je trouve ça quand même assez long. Enfin, c'est pas long, c'est mi-long, on va dire. Ça va jusqu'aux épaules, avec le petit chignon. J'adore. Enfin, c'est pas un chignon, c'est une petite couette haute qui prend juste la moitié des cheveux, quoi. Enfin, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Et là, si vous me trouvez torse nu, c'est que j'ai fait bugger MSP, c'est pas mes habits. Ouais, bah t'as pas de cheveux non plus, hein. Je te rassure pas. Mais ouais, je pense savoir quel bug elle a fait. En tout cas, là, ça va le look avec la casquette marron, avec ce combi short là. Franchement, je trouve que ça passe bien. Je trouve que ça passe vraiment, vraiment bien. Ah, si je mets ça, ça va pas du tout aller avec le look. Même si c'est sympathique quand même. Ça, je peux pas le mettre, ça va pas du tout aller. Mais là, ça va parce que ça fait. En plus, ça fait un look un peu bohème chic, plage à la playa. Et avec vu le temps qu'il fait, je trouve qu'on rentre bien dans le bon contexte actuel. Voilà. Mais non, j'aime bien les deux là ensemble. Les baskets, de toute façon, à part les baskets blanches, de toute manière, tu peux porter ça avec tout ce que tu veux. Tu prends, tu t'habilles tout ce que tu veux avec. Tu mets tout ce que tu veux. Tu mets même un sac poubelle. Bah, ça va bien avec. Tu mets des chaussures blanches, ça passe. Tu mets un sac poubelle. Tu sais, tu fais les trous de côté. Dans le sac poubelle, tu le mets sur toi. C'est sympa. Oh non, merde. Faut que je trouve un haut ou quelque chose d'autre pour remplacer ça. Ça va pas du tout. Ouais, c'est vrai que... Ouais, je pensais que ça allait peut-être tout enlever. Et merci à Magnifique Debra pour la salutation. Merci beaucoup à toi. Elle doit se dire, mais c'est quoi ce look, genre trop chelou que la 15 à l'al porte. Mais c'est quoi ça? Oh, ça c'est un rare, enfin unique. Moi je préfère dire unique que rare. Je préfère dire rare de pack et unique pour les uniques. C'était en 2018. Je sais plus, je crois que c'était avril 2018.
donc c'était il y a plus d'un an. Celui-ci, on pouvait l'acheter dans la boutique et normalement il y est plus. Donc on sait jamais avec Movistar Planet, des fois ils remettent des trucs, mais normalement il y est plus et franchement c'est l'une de mes coupes favoris. Désolée, j'ai hockey comme d'habitude, de toute façon une vidéo sans le hockey ça ne fait pas. Mais j'adore cette coupe, je la trouve tellement magnifique. Bah, j'en avais offert quelques-unes et du coup là il m'en restait plus beaucoup donc c'est cool. En plus cette couleur là j'avais pas donc c'est vachement cool. Mais ouais c'est Australian Tress et franchement je trouve que la coupe elle est méga belle de ouf. Méga méga belle de ouf, j'adore. J'adore. Et bah du coup voilà. Des fois je me dis j'ai bien envie qu'il y ait des trucs qui reviennent dans la boutique et je sais pas si vous aussi, mais des fois non parce qu'en fait est-ce que c'est lunette, parce qu'en fait il y a des trucs que j'aime bien que j'ai et du coup je me dis que ça prend entre guillemets de la valeur parce que ça fait un petit moment que c'est pas revenu dans la boutique. Par exemple c'est comme par exemple les packs qui datent de ouf, il y a des packs qui datent vraiment d'il y a longtemps et du coup qui reviennent pas dans les cadeaux des level 10 etc. Et du coup c'est vachement cool parce que du coup ça prend encore plus de valeur. Hop là, casquette. Et je me fais bouffer par les moustiques en même temps. Voilà, c'est super. Elle est cool ma vie. Cool story. Mais ouais non c'est vrai que en vrai j'arrête pas de me gratter les guêpes. Parce que les moustiques ils m'ont bouffé. Trop tristesse, je t'adore trop. Merci, merci Zozo la vie. Non franchement là le look à la limite ça passe mais la jupe elle me perturbe. Oh, faut vraiment que je trouve quelque chose pour la jupe là, ça va pas du tout. Ça va pas du tout la jupe hein. Oh mon dieu. Après le combi, ouais non ça si je le mets de toute manière ça va pas enlever la jupe. Mais en soi ça va le look s'il y aurait pas la jupe hein. Ça passerait. Bah, au pire je mets ça. Voilà au pire on met ça. C'est mieux que rien non. C'est mieux que rien. On va mettre ça, c'est plus joli que le fake collier drip là. Enfin non c'est pas un fake, en vrai c'est comment dire. Parce que quelqu'un m'avait envoyé une réponse de mail de Movistar Planet. Il avait demandé, oui est-ce que le collier drip fait partie de la collection et tout ça. Et en gros le support avait répondu que le collier drip, enfin ils se sont inspirés du collier drip pour faire la collection. Mais que le collier n'est pas dans la collection. Voilà. Donc en gros c'est ce que Movistar Planet a répondu à l'email de quelqu'un qui lui avait demandé. Et du coup faudrait que je pense que je n'ai pas gardé le mail. Mais je sais plus c'est qui me l'avait envoyé donc je sais plus. Mais en tout cas voilà. Moi j'avais vu le screen du mail donc voilà voilà. Et merci à Esprit de la Lune pour la salutation. D'ailleurs elle a un look, ça fait très Coachella son look je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais les ailes en rose elles claquent aussi hein. Mais ouais, son look très Coachella, merci beaucoup à toi, Esprit de la Lune. Alors je sais même pas comment ça se dit Coachella, Coachella, mais, ouais je crois que ça se dit plus Coachella que Coachella, mais bon bref, c'est pas grave. Oh, on a reçu une petite animation. Bon, on ouvre encore quelques petits cadeaux. Oh, on va mettre le cœur. On a limite l'impression que le cœur fait partie de la robe. En vrai, ça fait genre... Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais moi je trouve que le cœur fait partie de la robe là. C'est mon impression, non? Parce qu'en plus la chaîne on la voit pas trop, parce qu'en plus il y a déjà des chaînes de base sur la robe. Donc voilà. Et merci à Daniela1348 pour la salutation. Merci beaucoup à toi. En tout cas, là on est mardi au moment où je filme et il me semble que mardi, là on est le 25, c'est le dernier jour pour la plupart d'entre vous. Et après c'est les vacances. Bon, je sais que les personnes qui sont encore en primaire, et ben c'est un peu plus tard. Je crois que c'est la semaine prochaine pour ceux qui sont en primaire. Fin de semaine prochaine, un truc comme ça, non? Ou dans deux semaines? Parce que je crois qu'il y a des personnes qui m'avaient dit que c'était le 5 juillet. 5 juillet, ben, c'est un peu plus, c'est deux semaines, une semaine et demie, je sais pas. Bref. Bref, en tout cas, pour ceux qui seront arrivés jusque-là dans la vidéo, et ben je vous souhaite déjà d'avance que du coup la vidéo sera postée l'après-midi. Je vous souhaite déjà d'avance bonnes vacances à vous. J'espère que vous allez passer d'agréables vacances, que vous allez aller découvrir de très beaux endroits en vacances, que vous allez bouger tout ça, que voilà, vous allez découvrir du pays, de la plage, de la piscine, tout ce que vous voulez, ou tout simplement de l'embrouiller chez vous.
Parce que bah, c'est ça, mais il y a aussi des personnes qui peuvent pas profiter des vacances comme d'autres et qui n'ont pas forcément la possibilité de se déplacer en vacances pour diverses raisons, que ce soit à cause du travail ou d'autres raisons. Moi, dans ma vie, j'ai pas forcément eu beaucoup de vacances en dehors de la Pologne et tout. Donc je sais ce que c'est que de rester à la maison pendant les grandes vacances. Mais après, moi, honnêtement, j'étais une geek, donc ça me dérangeait pas. C'était limite, des fois, ça m'arrangeait en fait. Parce que du coup, on geekait tellement avec mon frère pendant la période des grandes vacances que du coup, en fait, mon père nous disait, écoutez, on pouvait faire des nuits blanches tant qu'on se levait pour midi. Enfin, c'est pas une nuit blanche si on se lève, si on va dormir pour se lever, mais que tant qu'on se levait à midi, on pouvait se coucher à quelle heure qu'on voulait, tout ça. Enfin, de toute façon, il nous réveille à midi pour aller manger, donc... donc voilà, donc nous, ça nous a pas dérangé de ne pas pouvoir partir de vacances. C'est vrai que ça fout le seum quand c'est la rentrée et t'as tous tes potes qui te disent qu'ils sont allés je sais pas où, à Miami, dans les îles Canaries et autres trucs super badass que toi t'as jamais vu de ta vie. Tu vois que sur des cartes postales, ok. Mais bon, après sur le coup c'est vrai que ça me dérangeait pas, ça m'a pas affecté plus que ça. Donc en tout cas j'espère quand même que vous passerez de bonnes vacances, que ce soit chez vous ou ailleurs. Et écoutez, je vais ouvrir ces trois derniers petits cadeaux, on va y arriver. Et puis on va s'arrêter là. Bon, oh, celui-là il est super beau. J'adore. En plus ça va, ça passe avec la jupe. Ça passe. Attendez, je vais l'inviter en ami parce que j'adore son haut là, il est super mignon. Il est super mimi kawaii. Et un petit autographe et un dernier petit cadeau. Voilà, on va le porter même si ça se verra pas. Bon, en termes de look, bon, ça passe. Il y a des jours, il y a eu pire, ok? Ok, donc ne me jugez pas, je vous vois en train de me juger derrière votre écran. Et bah écoutez, sur ce, moi je vais vous laisser. Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, dans un prochain live. Bisous à vous, ciao ciao.